In this video, I'm going to read the first chapter of Around the World in 80 Days in French. Now, last year, I read Le Tour du Monde en 80 jours for the first time, and I loved it. It's such a great story, one that I think you will enjoy too if you haven't traveled abroad in a while due to the pandemic. I'm going to read to you the first chapter of the book in French, the one that introduces Phileas Fogg, the mysterious English gentleman, and Passepartout, his new French valet. It's the chapter where you get to discover how they started the adventure of touring the world in 80 days. Now, the book I chose is a bilingual book that you can read on Scrib, and you get a 60 days free trial if you sign up on their website, the other link in the description. On Scrib, you'll have plenty of audiobooks. They have a huge catalog of audiobooks and ebooks in English, but also in French. And on Scrib, you'll find a fantastic French audiobook version of this book as well. And it's definitely worth a listen if you like to listen to books. Now, there are all sorts of languages as well on there, so you will find plenty of things that you actually are interested in. Shall I read to you the first chapter of Le Tour du Monde en 80 jours? C'est parti. Chapitre 1. En l'année 1812, la maison portant le numéro 7 de Savile Row, Burlington Gardens, maison dans laquelle Sheridan mourut en 1814, était habitée par Phileas Fogg, l'un des membres les plus singuliers et les plus remarqués du Reform Club de Londres, bien qu'il semblât prendre à tâche de ne rien faire qui pût attirer l'attention. Anglais, à coup sûr, Phileas Fogg n'était peut-être pas Londoner. On ne l'avait jamais vu, ni à la bourse, ni à la banque, ni dans aucun des comptoirs de la cité. Ni les bassins, ni les docks de Londres n'avaient jamais reçu un navire ayant pour armateur Phileas Fogg. Ce gentleman ne figurait dans aucun comité d'administration. Phileas Fogg était membre du Reform Club, et voilà tout. Il parlait aussi peu que possible et semblait d'autant plus mystérieux qu'il était silencieux. Avait-il voyagé? C'était probable, car personne ne possédait mieux que lui la carte du monde. Il n'était endroit si reculé dont il ne parut avoir une connaissance spéciale. C'était un homme qui avait dû voyager partout, en esprit tout au moins. Ce qui était certain, toutefois, c'est que depuis de longues années, Phileas Fogg n'avait pas quitté Londres. Ceux qui avaient l'honneur de le connaître un peu plus que les autres attestaient, si ce n'est sur ce chemin direct qu'il parcourait chaque jour pour venir de sa maison au club, personne ne pouvait prétendre l'avoir jamais vu ailleurs. Son seul passe-temps était de lire les journaux et de jouer au whist. On ne connaissait à Phileas Fogg ni femme ni enfant, ce qui peut arriver aux gens les plus honnêtes, ni parents ni amis, ce qui était plus rare en vérité. Phileas Fogg vivait seul dans sa maison de Savile Row, où personne ne pénétrait. De son intérieur, jamais il n'était question. Un seul domestique suffisait à le servir. Ce jour-là même, 2 octobre, Phileas Fogg avait donné son congé à James Froster. Ce garçon s'étant rendu coupable de lui avoir apporté pour sa barbe de l'eau à 84 degrés Fahrenheit au lieu de 86. Et il attendait son successeur qui devait se présenter entre 11h et 11h30. À 11h30 sonnant, M. Fogg devait, suivant sa quotidienne habitude, quitter la maison et se rendre au Reform Club. En ce moment, on frappa à la porte du petit salon dans lequel se tenait Phileas Fogg. James Froster, le congédié, apparut. « Le nouveau domestique, » dit-il. Un garçon âgé d'une trentaine d'années se montra et salua. « Vous êtes français et vous vous nommez John, » lui demanda Phileas Fogg. « Jean, n'en déplaise à monsieur, » répondit le nouveau venu. « Jean Passepartout. » Un surnom qui m'est resté et que justifiait mon aptitude naturelle à me tirer d'affaire. Je crois être un honnête garçon, monsieur, mais pour être franc, j'ai fait plusieurs métiers. J'ai été chanteur ambulant, écuyer dans un cirque, faisant la voltige comme Léotard et dansant sur la corde comme Blondin. Puis je suis devenu professeur de gymnastique, afin de rendre mes talents plus utiles et, en dernier lieu, j'étais sergent des pompiers à Paris. J'ai même dans mon dossier des incendies remarquables.
Mais voilà 5 ans que j'ai quitté la France et que, voulant goûter de la vie de famille, je suis valet de chambre en Angleterre. Or, me trouvant sans place, et ayant appris que Monsieur Phileas Fogg était l'homme le plus exact et le plus sédentaire du Royaume-Uni, je me suis présenté chez Monsieur avec l'espérance d'y vivre tranquille et d'oublier jusqu'à ce nom de Passepartout. Passepartout me convient, répondit le gentleman. Vous m'êtes recommandé, j'ai de bons renseignements sur votre compte. Vous connaissez mes conditions? Oui, monsieur. Bien. Quelle heure avez-vous? 11h22, répondit Passepartout en tirant des profondeurs de son gousset une énorme montre d'argent. Vous retardez, dit Phileas Fogg. Que monsieur me pardonne, mais c'est impossible. Vous retardez de 4 minutes. Mais n'importe, il suffit de constater l'écart. Donc à partir de ce moment, 11h29 du matin, ce mercredi 2 octobre 1872, vous êtes à mon service. Cela dit, Phileas Fogg se leva, prit son chapeau de la main gauche, le plaça sur sa tête avec un mouvement d'automate et disparut sans ajouter une parole. Passepartout entendit la porte de la rue se fermer une première fois. C'était son nouveau maître qui sortait. Puis une seconde fois. C'était son prédécesseur, James Foster, qui s'en allait à son tour. Passepartout demeura seul dans sa maison de Savile Row. Sur ma foi, se dit Passepartout, un peu ahuri tout d'abord, j'ai connu chez Madame Tussaud des bonhommes aussi vivants que mon nouveau maître. Mais cela me va, se dit Passepartout. Cela me va, voilà mon affaire. Nous nous entendrons parfaitement, Monsieur Fogg et moi. Un homme casanier et régulier, une véritable machine. Eh bien, je ne suis pas fâché de servir une mécanique. Phileas Fogg avait quitté sa maison de Savile Row à 11h30, et après avoir placé 575 fois son pied droit devant son pied gauche et 576 fois son pied gauche devant son pied droit, il arriva au Reform Club, un vaste édifice élevé dans Pall Mall qui n'avait coûté pas moins de 3 millions à bâtir. Une demi-heure plus tard, divers membres du Reform Club faisaient leur entrée et s'approchaient de la cheminée où brûlait un feu de houille. C'étaient les partenaires habituels de M. Phileas Fogg, comme lui, enragé joueur de whist. L'ingénieur Andrew Stuart, les banquiers John Sullivan et Samuel Fallentin, le brasseur Thomas Flanagan, Gauthier Ralph, un des administrateurs de la Banque d'Angleterre, personnages riches, est considéré même dans ce club qui compte parmi ses membres des sommités de l'industrie et de la finance. « Eh bien, Ralph, » demanda Thomas Flanagan, « où en est cette affaire de vol ?»« Eh bien, » répondit Andrew Stuart, « la banque en sera pour son argent. »« J'espère au contraire, » dit Gauthier Ralph, « que nous mettrons la main sur l'auteur du vol. » Des inspecteurs de police, gens fort habiles, ont été envoyés en Amérique et en Europe dans tous les principaux ports d'embarquement et de débarquement. Il sera difficile à ce monsieur de leur échapper. Mais on a donc le signalement du voleur ? Demandera Andrew Stuart. D'abord, ce n'est pas un voleur, répondit sérieusement Gauthier Ralph. Comment ? Ce n'est pas un voleur ? Cet individu qui a soustrait 50 000 livres en banknotes ? Non, répondit Gauthier Ralph. C'est donc un industriel ? Dit John Sullivan. Le Morning Chronicle assure que c'est un gentleman. Celui qui fit cette réponse n'était autre que Phileas Fogg, dont la tête émergeait alors du flot de papier amassé autour de lui. En même temps, Phileas Fogg salua ses collègues et lui rendirent son salut. Je soutiens, dit Andrew Stuart, que les chances sont en faveur du voleur qui ne peut manquer d'être un habile homme. « Allons donc, » répondit Ralph, « il y a plus d'un seul pays dans lequel il ne puisse se réfugier. »« Par exemple, bah, où voulez-vous qu'il aille ?»« Je n'en sais rien, » répondit Andrew Stuart, « mais après tout, la terre est assez vaste. »« Elle l'était autrefois, » répondit à mi-voix Phileas Fogg. « À vous de couper, monsieur, » ajouta-t-il en présentant les cartes à Thomas Flanagan. La discussion fut suspendue pendant le robre, mais bientôt Andrew Stuart la reprenait, disant « Comment, autrefois ? Est-ce que la terre a diminué par hasard ?»« Sans doute, » répondit Gauthier Ralph. « Je suis de l'avis de M. Fogg, la terre a diminué, puisqu'on la parcourt maintenant 10 fois plus vite qu'il y a 100 ans. » Et c'est ce qui, dans le cas
d'où nous nous occupons rendra les recherches plus rapides. Et rendra plus facile aussi la fuite du voleur. À vous de jouer, monsieur Stuart. Il faut avouer, monsieur Ralph, reprit-il, que vous avez là une manière plaisante de dire que la terre a diminué. Ainsi, parce qu'on en fait maintenant le tour en 3 mois, en 80 jours seulement, dit Phileas Fogg. En effet, messieurs, ajouta John Sullivan, 80 jours depuis que la section entre Rothal et Allahabad a été ouverte sur le Great Indian Peninsula Railway. Et voici le calcul établi par le Morning Chronicle. Donc de Londres à Suez, par le Mont Cenis et Brindisi, railway et paquebot, 7 jours. De Suez à Bombay, paquebot, 13. De Bombay à Calcutta, railway, 3. De Calcutta à Hong Kong, en Chine, paquebot, 13. De Hong Kong à Yokohama au Japon, paquebot, 6. De Yokohama à San Francisco, paquebot, 22. De San Francisco à New York, railway, 7. De New York à Londres, paquebot et railway, 9. Et un total de 80 jours. Oui, 80 jours, s'écria Andrew Stuart, qui par inattention coupa une carte maîtresse, mais non compris le mauvais temps, les vents contraires, les naufrages, les déraillements. Tout compris, répondit Phileas Fogg en continuant de jouer, car cette fois la discussion ne respectait plus le whist. Même si les Hindous et les Indiens enlèvent les rails, s'écria Andrew Stuart, s'ils arrêtent les trains, pillent les fourgons, scalpent les voyageurs. Tout compris, répondit Phileas Fogg, qui abatta son jeu et ajouta 2 atouts, maître. Andrew Stuart, à qui c'était le tour de faire, ramassa les cartes en disant « Théoriquement, vous avez raison, monsieur Fogg, mais dans la pratique... » « Pas dans la pratique aussi, monsieur Stuart. Je voudrais bien vous y voir. Il n'y tient qu'à nous. Partons ensemble. » « Le ciel m'en préserve !» s'écria Stuart. « Mais je parierais bien 80 000 livres qu'un tel voyage, fait dans ces conditions, est impossible. »« Très possible, au contraire, » répondit M. Fogg. « Eh bien, faites-le donc !»« Le tour du monde en 80 jours ?»« Oui. »« Je le veux bien. »« Quand ?»« Tout de suite. »« Bah, c'est de la folie !» s'écria Andrew Stuart, qui commença à se vexer de l'insistance de son partenaire. « Tenez !» Jouons plutôt. Bah refaites alors, répondit Monsieur Phileas Fogg, car il y a mal donne. Eh bien oui, Monsieur Fogg, dit-il. Oui, je parie 4 000 livres. Mon cher Stuart, dit Valentin, calmez-vous. Ce n'est pas sérieux. Quand je dis je parie, répondit Andrew Stuart, c'est toujours sérieux. Soit, dit Monsieur Fogg. Puis se tournant vers ses collègues, j'ai 20 000 livres déposés chez Baring Frères. Je les risquerai volontiers. 20 000 livres, s'écria John Sullivan. 20 000 livres qu'un retard imprévu peut vous faire perdre. L'imprévu n'existe pas, répondit simplement Phileas Fogg. Mais monsieur Fogg, ce laps de 80 jours n'est calculé que comme un minimum de temps. Un minimum bien employé suffit à tout. Mais pour ne pas le dépasser, il faut sauter mathématiquement des railways dans les paquebots et des paquebots dans les chemins de fer. Bah, je sauterai mathématiquement. Oh, c'est une plaisanterie. Un bon anglais ne plaisante jamais. Quand il s'agit d'une chose aussi sérieuse qu'un pari, répondit Phileas Fogg. Je parie 20 000 livres contre qui voudra que je ferai le tour de la Terre en 80 jours, ou moins, soit 1920 heures ou 115 200 minutes. Acceptez-vous ? Nous acceptons. Répondirent Stuart, Valentin, Sullivan, Flanagan et Ralph, après s'être entendus. Bien, dit Monsieur Fogg. Le train de Douvres part à 8h45, je le prendrai. Ce soir même ? Répondit Stuart. Ce soir même, répondit Phileas Fogg. Donc, ajouta-t-il en consultant un calendrier de poche, puisque c'est aujourd'hui mercredi 2 octobre, je devrais être de retour à Londres dans ce salon même du Reform Club le samedi 21 décembre à 8h45 du soir, faute de quoi les 20 000 livres déposés actuellement à mon crédit chez Baring Frères vous appartiendront de fait et de droit, messieurs. Voici un chèque de pareille somme. On offrit à M. Fogg de suspendre le whist afin qu'il pût faire ses préparatifs de départ. « Je suis toujours prêt », répondit cet impassible gentleman et donnant les cartes, « Je retourne, carreau, dit-il. À vous jouer, monsieur Stuart. »
Passepartout ? Passepartout, reprit Monsieur Fogg sans élever la voix davantage. C'est la deuxième fois que je vous appelle, dit Monsieur Fogg. Mais il n'est pas minuit, répondit Passepartout, sa montre à la main. Je le sais, reprit Phileas Fogg, et je ne vous fais pas de reproches. Nous partons dans 10 minutes pour Douvres et Calais. Monsieur se déplace ? Demanda-t-il. Oui, répondit Phileas Fogg. Nous allons faire le tour du monde. Le tour du monde ? Murmura-t-il. En 80 jours, répondit Monsieur Fogg. Ainsi, nous n'avons pas un instant à perdre. Mais les malles, dit Passepartout, qui balançait inconsciemment sa tête de droite à gauche. Pas de malles. Un sac de nuit seulement. Dedans, 2 chemises de laine, 3 paires de bas. Autant pour vous, nous achèterons en route. Vous descendrez mon Macintosh et ma couverture de voyage. Ayez de bonnes chaussures, d'ailleurs, nous marcherons peu ou pas. Allez. Ah bien, se dit-il. Elle est forte, celle-là. Moi qui voulais rester tranquille. Vous n'avez rien oublié ? Demanda-t-il. Rien, monsieur. Mon Macintosh, ma couverture. Les voici. Bien. Prenez ce sac. Et ayez-en soin, ajouta-t-il. Il y a 20 000 livres dedans. Le sac faillit échapper des mains de Passepartout, comme si les 20 000 livres eussent été en or et pesé considérablement. Le maître et le domestique descendirent alors et la porte de la rue fut fermée à double tour. Une station de voiture se trouva à l'extrémité de Savile Row. Phileas Fogg et son domestique montèrent dans un cab qui se dirigea rapidement vers la gare de Charing Cross. À 8h20, le cab s'arrêta devant la grille de la gare. Passepartout sauta à terre, son maître le suivit et paya le cocher. En ce moment, une pauvre mendiante tenait un enfant à la main, pieds nus dans la boue, coiffé d'un chapeau dépanné, dénepaillé, auquel pendait une plume lamentable, un châle en loques sur ses haillons, s'approcha de Monsieur Fogg et lui demanda l'aumône. Monsieur Fogg tira de sa poche les 20 guinées qu'il venait de gagner au whist et les présenta à la mendiante. « Tenez, ma brave femme, dit-il, je suis content de vous avoir rencontrée. » Puis, il passa. Monsieur Fogg et lui entrèrent aussitôt dans la grande salle de la gare. Là, Phileas Fogg donna à Passepartout l'ordre de prendre 2 billets de première classe pour Paris. Puis, se retournant, il aperçut ses 5 collègues du Reform Club. « Messieurs, je pars, dit-il. Les divers visas apposés sur mon passeport que j'emporte à cet effet vous permettront au retour de contrôler mon itinéraire. « Oh, monsieur Fogg, répondit poliment Gauthier Ralph, c'est inutile. Nous en rapporterons à votre honneur de gentleman. Cela vaut mieux ainsi, dit monsieur Fogg. Vous n'oubliez pas que vous devez être revenu, fit observer Andrew Stuart. Dans 80 jours, répondit monsieur Fogg, le samedi 21 décembre 1872, à 8h45 du soir. Au revoir, messieurs. I hope you enjoyed this first chapter. The rest of the book is... A true adventure around the world, going through India, China, Japan, and America, which I'm sure you will find fascinating. If you want to read the rest of the book, sign up for Scrib with the link in the description below, and you can read the bilingual book that I just read the first chapter of, or listen to the audiobook French version, which is fantastic. Now, if you want more readings, you can also click on this playlist.